Hop. Alors, salut à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Donc je suis pas un youtubeur de malade à faire des vidéos toutes les semaines et tout. Je fais une vidéo, c'est vraiment j'ai quelque chose à faire et une envie de le faire. Donc là dernièrement j'ai chopé Bloodborne, ça fait des années. Il est sorti en 2015, ça fait des années que je vois le jeu. Et que je me dis la Wiimote elle est trop faite pour ce jeu là. Je l'ai chopé pas cher, là, je l'ai chopé à 16 euros sur le PSN. Et donc j'en ai profité pour mettre ma Wiimote dessus. Et franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs scripts que j'ai jamais réalisé. Je me suis vraiment sorti les doigts d'où je pense. Et je vous ai sorti un truc, mais vraiment, vraiment immersif à souhait. Donc en fait, je vais vous présenter un peu les mouvements et tout. Ça s'adapte super bien à ce genre de jeu. Et je vais vous montrer un peu le fonctionnement en fait de la Wiimote sur Bloodborne. Donc de mon adaptation. Donc pour commencer, on va commencer par le plus simple, les coups d'épée. D'accord? Donc un coup d'épée en fait ça se fait comme ça. Hop, tout simplement. On a une petite vibration qui nous indique que le mouvement est réalisé. Si j'appuie sur le bouton B et que je fais ça, en fait, je vais faire le deuxième coup d'épée, le coup d'épée fort. Donc, normal, coup d'épée, appuyer sur B, plus ça, ça fait coup d'épée fort. On a une concentration sur le coup d'épée 2, sur le deuxième coup d'épée. Donc, pour faire cette concentration, il faut rester appuyé sur le bouton B, parce que c'est le bouton 2, c'est le coup d'épée 2. Et donc, pour l'activer, en fait, soit je penche ma manette à 90 à gauche ou à droite, ça va enchaîner. Donc ce que vous pouvez, enfin après dans le game vous pouvez faire ça, hop, enchaîner. Alors là il le fait pas parce que j'ai pas déployé l'épée. Donc je vais vous montrer comment déployer l'épée, parce qu'on peut agrandir son épée. Donc j'ai une touche, c'est la touche home. Donc si j'appuie dessus, il déploie son épée. C'est intéressant. Enfin, c'est pas super intéressant puisque c'est appuyé sur une touche. Moi, pour déployer mon épée, je mets ma Wiimote à ce niveau-là. Alors, la Wiimote penchée vers la gauche, vous voyez, en l'air. Et si je fais ça, il agrandit son épée. Et si je fais ça, il la raccourcit. Donc, en fait, au moment où je fais ça, j'ai une petite vibration qui m'indique que je suis dans le bon mouvement et dans la bonne position et je peux le faire. J'ai une autre position, c'est celle-là. C'est pour... pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez très bien que le bonhomme, quand il se remet de l'énergie, c'est comme s'il se faisait une picousse dans la jambe. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, bah voilà, le héros se fait une sorte de picousse, de piqûre dans la jambe pour se remettre de l'énergie. Et donc, c'est pareil, il faut se mettre dans cette position-là, sur la droite, et en fait faire comme ça. Non, alors là j'ai pas de fiole de sang, donc mon bonhomme le fait pas. Mais si je fais comme ça, vous pourrez le voir par la suite, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et là c'est toujours pareil, à partir du moment où je suis dans cette position, j'ai une petite vibration en fait qui m'indique que la position est bonne et que je peux faire le mouvement. Si je fais comme ça et comme ça, je rentre mon épée. Si je fais comme ça et que j'ai ma petite vibration, je me remets de l'énergie. J'ai un autre mouvement, c'est jeter. Alors, pour remettre de l'énergie, j'ai ce bouton-là. Sinon, j'ai le bouton moins qui permet de faire la même chose. Et j'ai le bouton plus qui permet de jeter des objets quand on en a, couteau, cocktail molotov, n'importe quoi. Et donc, pour jeter ces objets, je fais comme ça. Et pareil, j'ai une petite vibration qui m'indique que je suis dans le bon mouvement. Alors si je fais comme ça, en fait, je désactive totalement le fait de jeter. Là, c'est pareil. Si je fais comme ça, j'ai ma petite vibration. Si je fais pas de mouvement et que je me remets comme ça, j'ai totalement désactivé le fait que je vais me remettre de l'énergie. Là, si je fais ça, je donne des coups d'épée. Et donc, si je fais ça, je suis en mode lancé parce que j'ai la petite vibration et je fais comme ça et mon bonhomme jette son cocktail molotov ou son couteau ou n'importe quoi. Pour les esquives, donc en fait pour les... Alors non, ça c'est le bouton Z, c'est pour tirer. Pour les esquives en fait, donc si je fais un petit mouvement de ma main gauche avec le nunchuk, mon bonhomme esquive, hop, si je dirige avec le joystick du nunchuk, je dirige mon esquive dans le sens que je veux.
Voilà. Je vais essayer de rentrer dans les détails sur la configuration pour que vous compreniez bien un peu comment j'ai adapté la configuration. Normalement, quand vous bougez dans Bloodborne, quand vous jouez à la manette, vous avez tendance à bouger la caméra parce que la caméra ne vous suit pas forcément. Moi, j'ai adapté ça pour que la caméra vous suive un peu plus dans le mouvement. Donc, quand je tourne, en fait, quand je tourne à droite, par exemple, j'ai fait une automatisation pour que la caméra, en fait, tourne sur la gauche. Et quand je tourne à gauche, c'est pareil. En fait, la caméra tourne sur la droite. Donc, ça permet d'avoir une caméra qui suit un peu le mouvement du personnage et d'avoir toujours la caméra pratiquement au niveau du personnage. Bon, si je fais comme ça, la caméra m'a pas suivi et je me retrouve avec la caméra devant moi. Si j'appuie par contre sur le bouton C, donc voilà, je vais recaler la caméra sur mon personnage. Donc je vais la centrer. Voilà. Vous avez des petits endroits où vous devez valider des options ou récupérer des objets et tout. C'est le bouton A. Donc le bouton A, il y a deux fonctions. J'ai dû couper le jeu. Parce que le jeu, en fait, normalement, le bouton esquiver et le bouton courir, c'est le même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le bouton esquiver. Je l'ai mis totalement sur le mouvement du nunchuk. Et le bouton courir, en fait, je l'ai mis avec le bouton valider, donc le bouton A. Donc en fait, si vous appuyez juste sur A, vous validez les options ou récupérez un objet. Par contre, si vous restez appuyé sur le bouton A, vous allez courir. Vous voyez? Normalement, il aurait fallu faire comme ça, mais c'est pas possible. Enfin, c'était pas adaptable dans ce sens-là. Donc si on appuie sur le bouton A, on court. Et par exemple, on peut sauter. D'accord. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Bon. Quelques petits soucis, quelques petits bugs que je réglerai. Hein. Il n'y a pas grand-chose parce que je vais vous dire, j'ai passé 2 jours à faire ce script. C'est sûr qu'il y a encore deux petits trois trucs à peaufiner, mais c'est déjà pas mal. Donc normalement, vous restez appuyé sur le bouton A et vous faites ça. Ah oui, c'est parce que je sais pourquoi. Ben, je viens de comprendre un truc qu'il va falloir que je réadapte. Donc vous restez appuyé sur le bouton A et vous faites ça, votre bonhomme va sauter. Ce qu'il y a, c'est que si je reste appuyé sur le bouton A, en fait, ça, je peux pas re-sauter derrière. C'est pour ça que ça marchait pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc on a le bouton Z qui sert à tirer. Donc le bouton C qui sert à recentrer la caméra, sert aussi à autre chose. Parce que comme vous le savez, sur Wii, on n'a pas de deuxième joystick. Et c'est le pointeur qui fait office de deuxième joystick. Donc pour l'activer, parce que là en fait je peux viser sur l'écran, il ne se passera rien. Par contre, si je fais ça, que j'appuie juste sur C, ça va recentrer la caméra. Par contre, si je reste appuyé sur C, je vais pouvoir bouger ma caméra dans le sens que je veux par rapport au centre de l'écran en fait. Ça bug un peu là. Hop, voilà. Donc en appuyant sur le bouton C, je peux utiliser ma caméra. Et pareil, si je reste appuyé sur le bouton A, quand je cours, je peux aussi utiliser la fonction caméra. Donc là, je cours pas, mais vu que je suis resté appuyé sur A, je continue à utiliser la caméra. Voilà. Donc le bouton C, en sachant que le bouton C, il sert à recentrer la caméra et il sert aussi à lock les ennemis. Donc voilà. Donc je vous ai à peu près tout dit. Après j'ai le bouton 1, c'est le bouton Start les options, et le bouton 2, c'est juste le bouton PSN. J'ai la croix du pad de la Wiimote qui me permet d'enlever le flingue ou d'enlever mon arme. Je sais plus. Ah oui, de changer mes objets. Là j'en ai pas, mais quand vous avez des objets, vous pouvez les configurer dans le ici pour en mettre plusieurs. Et quand vous appuyez sur le bouton bas, en fait, ça vous permet de changer, de switcher d'objet. Et on a le bouton haut qui sert à perdre de l'énergie et récupérer des balles de flingue pour pouvoir tirer, pour pouvoir utiliser son flingue. Quand on n'a plus de balles, on peut perdre de l'énergie pour récupérer des balles.
Oh. Ce qui m'a collé. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré 3 fioles de sang. Donc je vais faire juste ça, comme ça. Et vous voyez, mon personnage, il fait exactement le même mouvement, moi. Le même mouvement que moi. C'est ce que je kiffe dans la Wiimote, c'est vraiment la possibilité de pouvoir s'immerger dans le personnage en effectuant des mouvements plus proches de ses actions. Et pas appuyer juste sur un bouton pour faire des actions. Donc là, j'ai recommencé le jeu pour vous montrer un peu le fonctionnement. J'ai réussi à aller jusqu'au premier boss. Pour l'instant, je l'ai pas battu, mais je ne désespère pas. Ça va arriver. Donc, je vais avancer un petit peu pour vous montrer que c'est totalement jouable. Donc là en fait ce que j'ai fait, vous avez vu, j'ai fait une attaque sautée. Donc en fait je suis resté appuyé sur le bouton B, j'ai fait un coup d'avant et un coup de Wiimote. Et en fait ça permet de faire les attaques sautées. C'est super immersif en fait. Enfin, il y a une sensation vraiment énorme dans le jeu. C'est un peu comme pour Dark Souls. J'avais fait un script pour Dark Souls. D'ailleurs franchement, juste après avoir fait celui pour Bloodborne, je me dis que je pourrais recommencer celui pour Dark Souls parce que je pense que je peux vachement l'améliorer. Donc là, je peux rester appuyé sur le bouton A pour aller plus vite et tout en utilisant ma caméra. Non? Non? Ah bah ça, c'est pas ce que je voulais faire. Le type! Ah le con! Pardon. Excusez-moi. Ah, j'ai pas fait le mouvement, c'est parce que j'ai lâché mon bouton A et j'ai appuyé. J'explique un peu. Alors, je peux avoir quelques bugs. Il y en a très 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 peu. Que j'essaye de régler, mais en fait c'est un peu normal. C'est parce qu'en fait j'émule la Wiimote sur un jeu qui est déjà configuré pour de la manette. Si on avait configuré la Wiimote directement dans le jeu, ce serait beaucoup plus précis et j'aurais sûrement plus aucun bug. Et comme vous pouvez le voir, enfin. Non, oh, ah, le bateau. Oh putain, j'ai failli me faire saucer. Allez, esquive-toi! Oh putain! J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On est pas là. Merde. Si je reste appuyé. Donc, je peux rester appuyé sur le bouton A et courir et sans utiliser ma caméra. C'est souvent vachement plus simple. Qu'est-ce que je voulais voir faire? Ouais, j'ai pas récupéré de cocktail. Ah oui. J'essaie d'aller me battre contre l'autre là, le gros.
Ah merde! Je l'ai pas lock. Putain, y'en a pas un qui me lâche des cocktails. Oh, esquive-toi! Non! Je sais pas si ça sert à quelque chose. Des balles, des balles, des balles. J'ai que des balles. Oh le bâtard. Tiens. Ah putain, j'aime pas quand ça fait ça. Ça devrait loquer automatique. Ah, y'en a aucun qui... Bon, enfin voilà quoi, je vous ai un peu montré le fonctionnement. On va aller se battre contre le gros là-bas, même si je crève, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, je suis allé beaucoup plus loin, je le stream un peu le jeu, donc vous pourrez me voir si vous le souhaitez en direct. Ah putain, à chaque fois je me fais baiser. Il m'a tué. M'a tué. Attends, j'y retourne vite fait. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... plaisant en fait. C'est vraiment super super bien. Il y a un plaisir et une immersion dans le jeu... que vous pouvez pas ressentir. Mais non, mais esquive-le, putain. Ouais, j'allais dire. Ah merde, non, c'est pas ça que je veux. Ah voilà quoi, je vous ai un peu montré le fonctionnement. Vous pouvez le voir, bah je peux tuer des. Je peux tuer ces monstres là, donc je pense que je peux tuer tout le monde.
Dégage! Oh putain! Ah merde. Je me crois presque en live. Je vous avais dit que j'allais arrêter. Bon allez, c'est fini. Bon bah voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vais essayer d'améliorer un peu le script, puisqu'il reste quelques. À chaque fois il reste quelques trucs à peaufiner. Histoire que. Bah, faut que je joue un peu pour voir, pour me rendre compte des petits défauts à corriger. Franchement, déjà, c'est hyper jouable. Y a pas. J'ai pas de bug qui m'empêche de jouer et de profiter pleinement du jeu. Voilà. Donc. A plus, bonne continuation, à une prochaine pour une autre vidéo, j'espère prochainement, parce que je vois pas trop de jeux qui m'intéressent, je sais pas trop en fait ce que je veux faire, mais pour l'instant Bloodborne c'est déjà pas mal. Allez, à plus.